Salut à tous, moi Thomas, je vais vous présenter XCOM Enemy Within, l'add-on de XCOM Enemy Unknown. Bon, je vais sûrement pas vous faire découvrir le jeu car il est sorti depuis un moment maintenant, mais plutôt une partie en impossible et voir si on peut la finir. J'ai déjà joué en impossible plusieurs fois donc ça devrait pas poser trop de problèmes, mais on va voir avec cette nouvelle add-on ce que ça donne. Alors, plusieurs bugs ont été corrigés, mais les problèmes sont toujours ici, hein, du genre tir à travers les murs ou alors les pourcentages qui sont pas exactement ça. Rater son tir 5 fois d'affilée à genre 60% de précision. Enfin, moi pour les parties en impossible, pour un peu compenser ces bugs si je puis dire, je rajoute des options. Certains diront que c'est de la triche, moi je dis que ça rajoute du réalisme au jeu. Donc voyons voir. Alors déjà Iron Man, ce qui me donne juste une sauvegarde, ce sera beaucoup mieux, ça m'évitera de recommencer une partie si ça part en vrille. Donc après en fait ce que je mets à chaque fois la plupart du temps c'est ces deux là, ce qui rend les soldats vraiment différents les uns des autres avec certaines habilités, donc ça peut être sympa. Après je vois qu'il y a nouveau celui là receive an aim bonus. Ah, cela peut être intéressant, je crois que on va essayer celui là ouais. Bon ben voilà, ça m'a l'air tout bon. Donc on y va. In light of the recent extraterrestrial incursion, this Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative, to oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. Et on commence. Donc on choisit où va être notre base. Bon, la plupart du temps je prends Asia parce que j'aime bien. De toute façon il faut contrôler tout le continent pour avoir le bonus, donc c'est pas forcé qu'on ait le bonus. On peut avoir zéro bonus hein, si on perd un pays dans chaque continent. Donc allez, on va prendre Asia. We're heading into China for the next operation. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Et voilà. Ah, déjà ça c'est nouveau ça. J'avais encore jamais vu ça avant.
sûrement une nouvelle map. Je dirais nouvelle map, oui. Et le meld aussi, ça c'est, ouais, ça c'est la nouvelle ressource, j'ai vu un peu. Qui nous permet d'avoir une nouvelle recherche. Alors, apparemment, je sais pas, un gros building, c'est tout. Ouais. On va commencer à avancer doucement. J'aime pas vraiment, là, on doit rentrer dans un bâtiment, ce qui est très chiant. Toi, on va te faire sûrement monter. On va attendre un peu avant. Toi, on va te faire attendre en dehors. À la manette aussi, hein, parce que bon, XCOM c'est pas un jeu très compliqué, point de vue stratégie, donc pas vraiment besoin du clavier. Apparemment, il y a quelque chose là-bas. C'est bizarre, c'est pas vraiment le rayon pour montrer qu'il y a des aliens, donc c'est sûrement le nouveau truc. Alors, voyons voir un peu. Ouais, ok, ça nous avance à rien. Bon, on entre alors. Ah oui, je prends mon temps hein, pour jouer. C'est en impossible, donc faut pas rusher. Hein. Ouais, j'ai activé le chaque pays parle leur langue, donc ça c'est sympa. Ouais, donc 4 tours pour prendre ça. Ouais, ça nous apparaît suffisant. Hein. C'est juste là. Toi, on va te faire aller sur le côté doucement. Y a rien. Donc tu vas te mettre à couvert. Toi, on va aller voir en haut s'il y a quelque chose, parce que là, des fois, enfin pas, j'avais pas la plupart du temps, mais des fois, certains aliens arrivent. Mais d'abord, je voudrais bien capturer ce truc avant d'en découvrir, donc je vais pas trop avancer. Je sais pas trop où aller. Ah, peut-être que je vais te laisser là, ouais, allez. Mais allez, je te laisse là pour l'instant. De toute façon, y'a personne. Jamais laisser ses soldats sans couverture, ah ça. Surtout en impossible. Alors, avançons prudemment. Et voilà. Trois sectoïdes comme d'hab. Ça a pas changé. Oh, oh, oh. Mais ils vont dans un endroit c'est que j'aime bien. À côté d'une station essence. Ouh, ça va être intéressant ça. 32. Ouais, non, est-ce que tu peux lancer? Non. Ah oui, hein, quand on est en impossible, grenade, puis c'est tout. Hein. Dashing pour se protéger. Peut-être qu'on va pas aller t'avancer. Toi, est-ce que tu peux faire quelque chose? Les pourcentages sont assez élevés, je trouve. Enfin, je me rappelle vraiment plus. 32, 15. Non, je lui ai rien dit. Non, ils sont assez bas quand même. Toi, on va. Je sais pas trop. Toi, tu peux viser rien du tout. On va t'avancer jusque là. Toi, qu'est-ce que tu peux balancer quelque chose? Non. Ah merde. 48%. Non, attends. Toi. Ouais. Non, si c'est en dessous de 50%, j'ai vraiment pas envie. Parce que ce que je me rappelle en impossible, c'est que si vous avez pas au moins 60 à 70% d'accuracy, laisse tomber. Oh, wow. On a full cover sur tout le monde, donc. Ouais, il y a peu de chances qu'il nous touche. Hein. Faut pas. Quand même, quoi. Faut pas abuser. Merde, l'autre a perdu sa cover. Merde. Pas bon ça. Toi, on va te foutre là. Alors, voyons voir.
Ah, là on va rire. Je touche tout le monde. Bon, je veux pas tous les détruire non plus, les faire sauter, parce que sinon je perds les parties d'armes, ça je m'en rappelle. Mais ça, ça va être sympa. Tchou! Voilà. Bon, l'autre chiante, là, bien sûr, hein. While certainly effective at killing aliens, they also destroy the artifacts we're hoping to recover from the bodies. Just something to consider. Qu'est-ce que t'as, toi? Toujours 35. Toi, ouais, d'accord, laisse tomber. Bon, ben... Ah. Putain! Qu'est-ce que je disais? 60 ou 70%, hein, c'est le minimum, mais bon, ça veut pas toujours dire qu'on y arrive. On va bouger. Merde. Ah, ça c'est pas bon. Là, je préfère finir avec un groupe avant d'en entamer un autre. Là, toi, on va te. On va aller où? Tu peux aller à l'intérieur, mais. On va te foutre là. Okay. T'as full cover là, ça doit être bon. Il me reste que 2 tours pour le truc. Putain, il faudrait que je me bouge non aussi. Ça me fait chier, je voudrais le tuer lui. Ah, ta race. Ouais, bon, il va fuir alors. Ah, j'aime pas quand il fuit. Parce que des fois, il s'arrête en fait de fuir. Et ils vous attendent en Overwatch. Donc, bon, c'est à dire qu'ils vont réagir dès que vous vous approchez. Donc, ils vous tirent dessus. Tu peux pas t'arrêter devant la voiture, non? Regarde, regarde la voiture en feu. C'est joli, c'est des flammes. C'est pas. Là, regarde, boum, voilà. Non, tu veux pas faire ça. Bon, un tour pour prendre le truc, donc faut que je le prenne. Là, y a pas. Alors toi, qu'est-ce que t'as? 15. Ah putain. Toi, t'es pas en full. Toi, t'es. Je sais pas quoi faire. Là, je suis un peu. Là, je prends ça. Ok, bon, il a collecté déjà. Je sais pas par contre si c'est destructible, enfin sûrement, c'est sûrement de l'énergie donc ça doit sûrement exploser ou je sais pas. Mais je sais pas s'il faut tirer dessus énormément de fois ou pas. Bon toi on va t'avancer, qu'est-ce que t'as comme solution? 80%, mais c'est bien ça. Est-ce qu'on peut faire sauter quelque chose? Non? Ah merde alors. Bon ben... C'est chier, il a un point d'HP en plus là. Ah, on l'aurait tué sinon. Merde. Toi, qu'est-ce que t'as? 35 et 15, et ta race. Va être chaud. Si je t'avance un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'avance ou pas? Ouais, je sais, je mets du temps. Ah! Damn it, enemy is still alive. Yeah, enemy is still alive. Ah, je sais pas si je l'ai dit, mais mon jeu est en anglais. Toi, on va attendre ici. Oui, mon jeu est en anglais parce que je déteste les versions françaises. Les traductions, les voix sont tout graves, donc je laisse toujours les gens en anglais. Comme quand j'avais fait mon playthrough de Tomb Raider, je l'avais laissé en anglais. Lara, elle parlait en anglais, c'était très bien. Et qu'est-ce qu'ils me font? Oh non! Oh, pas bon ça. Pas bon du tout. Si l'autre il décide à lui tirer dessus. Non, non, non. Oh putain! Ça, c'est de la chance. Zéro co... Pourquoi ça s'est détruit? Ah! Ah, c'est le mur qui a dû se détruire et ça a détruit le top. Je sais, bah, je sais pas. Toi, on va te foutre ici. Putain. Ouais, c'est pas très prudent de se foutre dans des positions comme ça parce que c'est destructible, des covers destructibles, donc c'est un peu la merde. Par contre, on est à distance de grenade. Ah, ça, ça change tout. Allez, vas-y. Fais-moi tout péter. Voilà, un de moins. C'est déjà ça. Toi, 60% ici, putain, c'est pas mal. Mais t'as plus de cover, donc on peut bouger. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, il faut t'avancer aussi. Et toi, là-bas... Je réfléchis. On peut tous les faire avancer ici. C'est pas mal là.
On va voir. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont arriver sur la gauche. Je pense pas, ça a l'air d'une petite map quand même. Alors on teste. Ok, il n'y a rien. Toi, on va te faire aller là. Avec de la chance, ton 60% va se changer en 43, ok. Allez, tant. Ouais. Ça a marché. Ok, we should look closely for any fragments ouais, that could be salvaged ça. For our ouais. own development programs. Non mais je programs. Sais, docteur Valen, je sais. Ah oui, il y a toujours celui qui nous fuit. C'est ça le problème. Voilà, maintenant il faut le capturer. Enfin, il faut le capturer, il faut le tuer. On en a toujours un en combat, je crois. C'est ça okay. Qui est pas loin. Ouais, voilà. Lui. Oh merde. Comment je vais l'avoir lui? Je vais avancer doucement. J'espère qu'il est pas en Overwatch. Non, ça m'étonne. Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il faisait le... Ouais! Ça a marché. Je disais... Il faisait le truc de l'esprit, là. Psychique, je sais pas quoi. Contrôle. Enfin, il aidait son pote. Toi, Overwatch, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'avancer un peu. Toi, je vais pas te foutre derrière les trucs de sens, non merci. Bon, y a pas, voilà, y a pas 36 solutions. Pas 36 covers non plus, quoi. Normalement, il va fuir. Ah. Ouais, non, bien sûr que non. Putain. On se demande où on les trouve, ces soldats, sérieux. Non, non, non. Ça va, ça va. Si on continue full cover, ça va. Par contre, je sais pas où est l'autre meld. Donc, on va peut-être le perdre. Mais bon, je préfère y aller doucement et garder mes mecs en vie, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, ça va être en ligne droite, ça qui est chiant. Je peux peut-être contourner avec lui, qu'est-ce que je fais? Si je lui ai envoyé une grenade. Je teste. C'est un peu chaud à tester, mais je teste. Allez. Grenade, donc j'ai détruit la cover, puis après je le finis. Ouais, c'est bon. Putain, 55%, tu peux pas avoir plus. Oh. Si je t'avance, t'as quand même plus là. Quoi? Bon ben. Et là avec le... Putain, le flingue pareil quoi. Bon ben merde. Allez. Ouais. Ouf. Putain, ça c'est chaud. Ouais. Testez pas des trucs comme ça en impossible, non. Ne pas tester. Parce que mes pourcentages n'ont pas augmenté. Ils auraient dû être du genre 100%. L'ennemi est pile devant moi, mais bon. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que je rajoute des options hein, quand même. Toi, il faut t'augmenter. Il faut te recharger, pardon. On va te foutre là. Est-ce qu'on peut monter au-dessus de ce truc? Recharge, toi aussi on va t'avancer doucement. Full cover ici. Full cover là-bas. Toi. Ah, full cover, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? J'aime pas trop les foutre au même endroit. Est-ce qu'on peut monter dans ce truc là? Ce panneau d'affiche. Non. Non. Camion. Ah, trouvé. Ça va, c'est assez lumineux quand même. C'est facile à trouver. Ça va être facile à les trouver sur les cartes quand même. On va avancer doucement. On va se foutre à côté, je crois. Alors. Alien activity. Ok. Ouais, en gros, ils sont à côté du mail, quoi. Là, ils sont que deux. Ça va. Que deux, ça va. Toi, t'avances un peu. Ah! Oh, bien. Toi, je te flanque, toi.
Oh, 75%, le mec est juste devant toi, bordel. Je me demande s'il y a le coup de se mettre en Overwatch si ça les paralyse encore, comme avant. Ça a testé, mais bon... 75% quand même. Si je me fous à côté de toi, je me protège de l'autre et je peux te tuer. On va pas attendre, on va faire ça. Ça va. Ok. Toi, on va t'avancer. Normalement, je peux lui tirer dessus entre le camion et la remorque. Si je me rappelle bien du jeu, c'est comme ça. Ça fait plusieurs mois quand même que j'y ai pas joué. Par contre, il peut me tirer dessus aussi. Donc, je vais me mettre sur la full cover et on va voir. Voilà. 62, tue-le. Tu peux le tuer, je pense. Hein. Toi, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre, on va... C'est que en dash, merde. Putain, qu'est-ce que je fais? Allez, on va tenter. Non. Eh, je vous l'avais dit, 62%. Ah, ça marche pas. Putain, maintenant il va le tuer, j'en suis sûr. Non. Oh, la chance. Moins la chance. Ouais, je panique. Oh putain, la chance. Notre mec est pas mort, quoi. Overwatch, toi, on va t'avancer. Putain, faut que je le tue, hein. Par contre, faut rien faire péter, parce que sinon, je vais le tuer. Putain, il s'en va. Oh, je vais le prendre par derrière. Oh, je lui fais le coup du sandwich, là. Merde, il y a des caisses. Putain de caisses de merde. Si je te fais péter à la grenade, ça marche. Allez, vas-y. Ouais, tout pâté, ça, ouais. Ok, je te finis avec l'autre. Parfait. Putain, notre mec est pas mort. J'y crois même pas, quoi. Énorme. Ouais, je vais me foutre là. Là, au moins, là, si t'as pas un joueur à 100%. Putain, t'as même pas 100%. Ouais, parfait, excellent. Ah ouais, 1 sur 2. Ouais. Bon, c'est bien. Pour la première mission, c'est plutôt bien. Commander to the research labs. Commander to the research labs. Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold. Providing tactical support for our field operations, and keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which, we have a soldier waiting for a promotion in the barracks. I'll let you get to it. Oui, monsieur. Alors, nous avons des promotions. Oh, tous les quatre. Ça, c'est magnifique. Merde, 6 jours. Gravely Wounded. Okay. Donc, on a un support. Ok, bien. On a un Navy, j'adore. Ça, je joue beaucoup avec les Navy. Au moins deux dans l'équipe à chaque fois, moi. Et assaut 2 aussi. Enfin, c'est un support, 2 assauts, 2 heavy, un snipe. Voilà, c'est parfait, là j'aime bien. Pas mal. Donc, première mission, je dirais plutôt bien passée. On a eu pas mal de choses sur la fin, mais ça s'est bien fini. J'avais plusieurs. Mode sur le jeu, mais plus rien ne marche avec la donne par contre. J'avais genre plus de meilleures textures, etc. Sinon, là-bas, je vais pas vous laisser tourner la vidéo genre 3 heures à décider quoi faire dans la base, parce que je prends toujours énormément de temps. Donc je vais réfléchir hors caméra pour quoi mettre et quoi faire. De toute façon, le début, c'est surtout satellite et lancer peut-être la nouvelle recherche avec la nouvelle ressource, je sais pas trop.
Donc je vais faire ça. Et je vous laisse sur deux vidéos qu'on a une fois la première mission finie dans les ingénieurs en recherche. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Hello, Commander. My name is Dr. Farlan. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. Based on our preliminary findings, we believe we can use them to develop some new equipment for our soldiers. With your approval, we will begin research immediately. Ah, Commander. I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication.